Salut et bienvenue sur le cours des nombres complexes. Cette vidéo est spécialement dédiée aux opérations avec les nombres complexes, c'est-à-dire qu'on va faire l'addition, la soustraction et la multiplication. Tout ça illustré avec des exemples et on mettra tout sous la forme algébrique. Très important ça. Allez, on est parti! On va s'échauffer un peu et s'entraîner sur les opérations des nombres complexes. On a Z1, Z2, Z3, trois nombres complexes et on va les multiplier, les additionner, les soustraire, juste pas les diviser entre eux. Et tu verras pourquoi on va pas encore faire la division déjà maintenant. Alors, la bonne nouvelle du coup, c'est quoi C'est que ces trois opérations que j'ai choisies, pas la division, hein, juste ces trois, ben, ça ressemble beaucoup au nombre réel, c'est-à-dire ce que tu fais déjà depuis plus de dix ans. Donc, j'espère que ça te rassure déjà avant qu'on commence. <tousse> exemple on va faire l'addition de z1 plus z3 et moi je veux le résultat sous forme algébrique fais-le avec moi prends ton petit stylo et on est parti donc ça j'ai donc ça me donne 4 moins 3i plus i tout simplement z1 plus z2 forme algébrique qui dit forme algébrique dit quelque chose de la forme a plus ib le i c'est le i des complexes qui me dit que i au carré est égal à moins 1, ça c'est le i à savoir, et a et b, donc partie réelle, partie imaginaire. Donc ça c'était petit rappel, forme algébrique. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va juste enlever ces parenthèses qu'on a le droit d'enlever, regrouper les réels et regrouper les imaginaires. Donc là, le réel, on a a et les imaginaires c'est b. Qu'est-ce qu'on a comme réel ici bah, On a le 4. Là, il y a un i, donc c'est imaginaire. Là, il y a un i, donc c'est imaginaire. Donc, moins 3i plus i, et qu'on est i ou qu'on est banane, on s'en fout. Donc, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2i. Ce qui termine déjà le premier exemple. Deuxième exemple, on va faire la soustraction de z1 moins z2. On est chaud, donc on réécrit juste z1, 4 moins 3i, z2, racine de 2, plus i, racine de 3. Petit piège à pas tomber dedans, j'ai un moins devant la racine. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un moins On inverse les signes. C'est-à-dire que racine de 2 devient moins racine de 2 et i racine de 3 devient moins i racine de 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans la foulée On va regrouper ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Réel, là il n'y a pas de i, là il n'y a pas de i. Où est-ce qu'il y a des i Là je vois un i. Là, je vois un i. Qu'est-ce qu'on a dit avec des signes Et on met ensemble. 4 moins racine de 2. 4 moins racine de 2. Moins 3i. Moins i racine de 3. Moins 3i. Moins i racine de 3. Eh, hey, ça va au final, c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que là, on peut simplifier quelque chose Ben non, tu peux rien faire. Ce que je conseille tout le temps, c'est de factoriser par le i pour que ça soit vraiment de la forme a plus i b. Je mets le i devant, donc je mets moins i même. J'ai 3 et là, j'ai plus racine de 3. J'obtiens bien ma forme a plus ib. Si maintenant je dois multiplier z3 par z1, alors z3 c'est i et z1 c'est 4 moins 3i, comment je multiplie Encore une fois, comme tu le fais jusqu'à maintenant. Tu vas distribuer ce bonhomme ici et ici ça va faire i fois 4, donc 4i moins, donc règle de signe, 3i fois i. Ah ouais, là, il y a peut-être quelque chose qui va se changer, parce que, alors 4i, c'est imaginaire, clairement, il hein, n'y a pas de doute, mais là, est-ce que ça c'est imaginaire La première réponse qu'on a envie de donner, c'est oui, c'est imaginaire, il y a des i. Ok, mais calme-toi, parce que là, j'ai i au carré. i fois i, c'est égal à i au carré. Et i au carré, c'est la grande règle, i au carré égale à moins 1. Donc je me retrouve avec moins 3 fois moins 1, ce qui donne plus 3. Plus 3 grâce à cette propriété. Finalement, est-ce que c'est de la forme algébrique Ouais, mais écris le mieux. A plus Ib. A plus Ib. Là, on a dans l'autre sens... Te laisse pas avoir, hein. c'est pas parce qu'on le tourne que ça, c'est le A plus Ib, non. D'abord le réel, ensuite l'imaginaire, ça sera mieux pour tout le monde de manière générale. On vient de développer en utilisant la distributivité simple, bah il s'avère que tu peux aussi utiliser la distributivité double. Si on multiplie Z1 par Z2, on a bien l'occasion de l'utiliser. Voilà, et je distribue moins 3i. Ça me fait 4 fois racine de 2, il est là, plus 4 fois i racine de 3, hein, parce que là j'ai un plus, ensuite j'ai moins. Moins 3i fois racine de 2, très bien. Moins plus, donc le signe, ça me donne moins. Et 3i fois i racine de 3. Ah, alors déjà, j'ai ii, ça me donne ce fameux i au carré. Qui est égal à combien hein, On va garder ce réflexe. i au carré égal à moins 1. Donc là, déjà, on voit que ça va me donner 3 racines de 3. On met les réels ensemble et on met les imaginaires ensemble. Ouais, toujours bien ordonné. Et faire attention que i au carré égale à moins. Donc j'ai bien ce plus 3 racines de 3, 4 racines de 2. Et ensuite là, j'ai quoi ben J'ai plus 4i, moins 3i racines de 2. Donc jusqu'à là, c'est bon, c'est même très bien. Encore mieux, qu'est-ce qu'on va faire On va factoriser par notre cher i. On met le i devant, il reste 4 racines de 3, moins 3 racines de 2. Lui ne bouge pas. La partie réelle, ça s'écrit aussi comme ça, un hein, réel de x, z1 fois z2. Et la partie imaginaire, c'est z1 fois z2. Alors attention, hein, le i ne fait pas partie de la partie imaginaire. C'est vraiment juste le b. B est la partie imaginaire. Comment faire pour calculer z3 à la puissance 40 alors je sais, ça paraît peut-être impossible. Qu'est-ce qu'il fait Il pète un plomb, lui Non. Tu verras que non. Parce que i, en fait, il y a juste une chose à comprendre. i au carré égale à moins 1. Si maintenant je fais i puissance 3, je vais avoir quoi? i puissance 3. Bah tu vas me dire, oh, ben bah i puissance 3, c'est i puissance 2 fois i. i au carré, on vient de voir que c'est égal à quoi C'est égal à moins 1. Donc au final, ça, ça me donne moins i. i puissance 4, qu'est-ce qu'on peut dire de i puissance 4 i puissance 4, bah, c'est i puissance 2 fois i puissance 2. Ça fait moins 1 fois moins 1. Moins, moins, ça me donne plus 1. Ah. Et i puissance 1, bah ça donne i. Donc regarde, j'ai i, moins 1, moins i, 1. Et là, en fait, si je continue à calculer, je vais remarquer que je vais retomber là-dessus. En fait, je vais vraiment avoir un cycle. Le cycle, c'est le suivant. Tu vas voir très vite qu'on a ce qu'on appelle le plan complexe, où on a, selon x, les réels. Et selon y, les imaginaires. Alors dis-toi une chose. Là, je vais avoir 1, moins 1. Et là, je vais avoir i et moins i. Ce i, il va sauter sur ce cercle. Alors regarde, je commence où Je commence en i. i puissance 1, c'est i. Je commence en i. i puissance 2, donc i au carré, ça fait moins 1 moins 1. i puissance 3, ça fait moins i. Là, j'ai i, là, j'ai moins i, moins i. i puissance 4, ça fait 1. Et en fait, tu vas toujours sauter. i à une certaine puissance, c'est égal à soit i, moins 1, moins i, ou 1. Tu n'as que 4 possibilités. Là, ta puissance 40, donc c'est égal à combien Puissance 40. Si puissance 1, es là, 2, 3, 4, là j'ai tous les multiples de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je peux continuer. Au bout d'un moment, je vais être à ta 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 40. Donc 40, i à la puissance 40, sera égal à 1. Tu vas voir que bientôt la trigonométrie et les complexes, il y a un grand rapport. Voilà, en tout cas, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore! Sur Matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur Matrix.fr!